Alors, coucou, reconnaissance de terrain, Mars, domination et libération, opération Lone Wolf. Alors, c'est pour ça que je dis reconnaissance de terrain, ça sera le titre, mais j'ai passé directement en convergence de l'image. Ça ira plus vite. D'accord? J'aurais pu le lire avant, mais bon, je vais pas me commencer à tout lire, comme je dis souvent les livres. Je suis sûrement faire encore 4-5 vidéos de ce livre, après, on verra. Convergence par l'image, c'est la reconnaissance du terrain. La dernière fois, c'était Harry Prime. Alors, autant commencer tout de suite. Et c'est du très lourd aussi, plein d'images. Très intéressant. Et je remercie encore les plus de 2000 abonnés. 2020, je crois, 2020, 25, ça monte. Ça monte, c'est magnifique. Et plus que ça monte, plus que c'est beau. Nouvelle vidéo. C'est parti. Reconnaissance de terrain, convergence par l'image. Au petit matin, on nous débarque face à un immense cratère qui renferme une mer agitée, dont les vagues viennent s'écraser sur le rocher au pied d'une falaise qui forme le bord du cratère. Le cliché SP tata, de Mars Glover Global Surveyor est un bon exemple comparé à gauche à la mer d'Aral en 1984. Pour en revenir à Lone Wolf, l'emprise du loup, mon livre autobiographique, pardon, fil conducteur de cet ouvrage, en passant par Google Earth en mode Mars, on retrouve des lacs, dont quelques-uns si grands qu'ils pourraient être assimilés à des petites mers. Alors, comparaison avec la mer d'Aral en 1984, d'accord? Ici. Et là, là. Alors, attendez, je ne sais pas si c'est ça là. Ouais, c'est plutôt l'inverse, d'accord? Mars est de l'autre côté là. Voilà. Bah, de toute façon, peu importe, on dirait même que c'est presque kiff-kiff, hein, voilà. C'est un truc de dingue. À gauche, à la mer d'Aral en 84. Donc c'est ça, donc c'est une image là sur Mars, d'accord. C'est quand même un truc de dingue. Alors là, il y a blindé de choses très intéressantes. De même, le cliché M09-1354, les attributs d'un lac entouré d'une végétation éparse, comparé à gauche au lac Mied artificiel dû au barrage Hoover. Ah ouais, c'est costaud aussi quand même. Même la forme, ça y ressemble beaucoup. Aucune fleur, seulement des plantes. Il y a bien des sortes de gros insectes, mais aucun pollinisateur, comme les abeilles sur Terre. S'ensuit le survol d'un paysage désertique avec des roches et des plantes grasses, cathées et succulentes, dont la plupart me sont inconnues. Quelques plantes sorties de la série Sol 3609 de Curiosity, prises dans la zone du cratère Gale-la-Vallée de Marker Band. Bien que je n'ai sélectionné que trois plantes, il y en a d'autres, mais presque impossibles à ressortir à cause du filtre de couleur uniforme. Je les ai mis à la suite en partant de la sélection encadrée allant de gauche à droite. D'abord, ce qui ressemble plus à une sorte de grosse citrouille à laquelle je les comparais n'ayant pas trouvé d'équivalent terrestre. Alors, et en dessous, toujours pareil. Comparé à gauche, c'est-à-dire ici, de ma gauche, ici. C'est sur Mars. Je sais pas si vous imaginez un petit peu. D'accord? Une sorte de grosse citrouille, etc. C'est pas fini parce qu'il y en a des images. Elle est énorme, l'arène alien derrière. Je l'ai reçu il y a pas longtemps là, sur le site Etsy. Le mec il fait tout lui-même, sa fabrique en particulier, elle est magnifique. C'est ce que je voulais moi. J'évite trop les produits dérivés, comme ça au moins j'ai des trucs exceptionnels quoi. Après, elle est magnifique. Bon bref. Alors ensuite il y a cette plante avec un long pédoncule. Et enfin ce qui a toutes les caractéristiques d'un cactus globulaire à fleurs. On trouve aussi des plantes succulentes dans la série de clichés du rover Curiosity Sol 300. Bien que difficile à ressortir, cet amas trônant au milieu d'un désert de roches est typique d'un plan de plantes grasses mixtes des régions semi-désertiques terrestres comme l'Arizona. L'agrandissement avec une comparaison donne une idée de ce qui pourrait être la véritable nature de ces formations martiennes. Ça n'arrête pas. Hein. Chaque coup, je vous montre des choses. Hein. Regardez ici, avec un long pédoncule, d'accord? Il y a cette plante derrière, évidemment, en zoomant. Alors, évidemment, c'est l'image d'ici, hein, évidemment.
comparaison. On voit bien la forme quand même avec les feuilles. Hein. Je sais pas s'il y a qui voit clair quand même ici. Là, les feuilles, tout ça. En dessous, pareil. Un cactus. Alors j'en ferai photo si c'est un peu flou. Ici, on le voit ici. Voilà. Pile au centre, à peu près au centre, avec la feuille par au-dessus. Voilà, en dessous, évidemment, c'est l'Arizona. Hein, attention, hein, faut pas non plus déconner parce que là. Ah, tu me diras, il peut y avoir des formes comme ça aussi, mais bon. Les images, elles sont trop propres. Hein. Alors, au contraire, cette autre plante grasse en sol 487, excusez-moi, se laisse mieux voir. J'espère qu'il n'y aura pas encore un flou. Il y a toujours un flou dégueulasse. Voilà. Se laisse mieux voir, excusez-moi. Des plantes, c'est bien, mais capable de nourrir les martiens, c'est encore mieux. Oui, bon, aussi, c'est costaud. Le maïs pourrait bien remplir cette fonction, puisqu'en sol 1868, on reconnaît une plante herbacée de la famille des poacées, avec la tige cassée. Ça rime en plus. Hein. Puis la visite continue vers une autre région plus près de l'équateur de la planète Mars. Cette fois, pas de désert stérile, mais des forêts. Eh oui. Tout ça, c'est sur Mars. Hein. D'accord. Là, c'est costaud aussi, là, quand même. Je sais qu'il vaut pas clair, il y a un problème. Là, c'est pareil, costaud aussi quand même, le maïs. Et là, alors là, celui qui vaut pas clair non plus, des forêts, bon bref. Alors moi, c'est ce que je vois, hein, comme des sortes de sapins, enfin des sapins. Ici, c'est sûrement chez nous, et au-dessus, là, c'est bien sur Mars, d'accord, hein, tu vois la comparaison qui est pratiquement 90% pareil, hein, on va dire, hein, presque pareil. Non, à part ça, il n'y a rien, il n'y a pas de... Tout va bien, bon bref. Comme sur l'image précédente E0701717, on a vraiment l'impression d'une forêt alpine. De même que le cliché, etc., où on devine des lignes de pins sur une montagne enneigée. Maintenant, nous allons voir un cliché de la série Sol 1991. Ouais, pas mal non plus. Ce qui intrigue, c'est ce qu'on pourrait qualifier de tempête de poussière, sauf que je n'ai jamais vu une telle tempête de forme oblongue. J'ai donc effectué un agrandissement de la zone encadrée avec ajout de pixels. Déjà la fameuse tempête commence à monter d'étranges formations, images du haut, puis voyant apparaître un paysage, j'ai joué sur l'éclaircissement et le contraste. Et contraste, image diminue. Et là, plus de doutes quant à sa véritable nature, surtout en comparaison avec une forêt brumeuse terrestre, image du bas. On va en l'impression d'une forêt alpine. Alors excusez-moi, hein, franchement, je comprends pas, des fois l'image elle est là. Elle est dégueulasse, mais bon, c'est pas grave. J'en ferai photo propre, hein, évidemment. Voilà. Alors évidemment, ça c'est sur Terre. Hein. Là, non, c'est bien sur Mars. Et après en zoomant, ils font la comparaison. Non, mais à part ça, tout va bien, hein. C'est toujours pareil, quoi. Alors, ci-dessus, la partie gauche de l'image sectionnée, il paraît évident que ça n'a rien d'une tempête de sable, ou alors elle évoque une lointaine forêt. Pour moi, il s'agit d'une retouche grossière de cette zone appliquée par la NASA. Bon, ils adorent faire ça avec des scalpels, ce que tu veux, bon, bref. Des forêts hébergeant diverses espèces d'animaux de toute taille, dont nous pouvons apercevoir certaines sont géantes, parmi lesquelles des sortes d'énormes insectes. Et alors attention, quand on va arriver aux araignées, ça c'est énorme. Alors là, les araignées, moi qui ai la phobie des araignées, surtout quand c'est des grosses, là c'est des araignées qui vont jusqu'à 1m80, voire 2m de long. Hein. Oui, et bon, parce que dans les années 60, 50, 60, des Allemands, ils ont été dessus, ils ont apporté des animaux, ça, puis avec l'atmosphère et puis avec le temps qui passe, je sais plus, il y a un truc, ils ont grossi, tout ça, bon, c'est pas comme ici sur Terre, évidemment. D'après mon vécu, Mars semble bien être un environnement propice aux invertébrés, de l'embranchement des arthropodes et du sous-embranchement des, exo,
des hexapodes, soit des insectes, mais des insectes géants. Un constat corroboré par mes recherches conventionnelles sur les clichés martiens, à la manière de ce sol 1441. Avec une sorte d'énorme naf accroché à la falaise, une tête avec deux yeux globuleux, un corps allongé et trois paires de pattes agrippées à la roche. Quand même. Un territoire rocailleux où vivent des reptiles, de gros lézards que l'on pourrait comparer aux varans. Bon, ça c'est l'image d'avant encore. Alors, regardez ici. C'est ça qu'il faut voir, hein. C'est ça, ce truc-là. Ne pas me dire que ça, cette forme-là, non. On voit même les pattes en haut. Hein. Une ici, deux ici, l'autre côté. Voilà, on a la forme, l'autre côté aussi. Pareil. Bon, là, le varan encore, je... Ouais, si, ça vaut le coup, mais il faut vraiment le voir. Ouais, là, d'accord. Ouais, vas-y, je le vois, mais j'y juste le vois. Fais attention, c'est vrai. Et là, c'est pareil. Mais ça, encore une fois, c'est rien. Il est bien pire que ça. Encore une fois, c'est rien. C'est dessus l'image extraite en sol 1441, avec des reptiles que l'on pourrait comparer aux varans de Komodo. Ah, je regarde ces trucs-là. Je sais pas si vous avez déjà vu les Komodo. D'ailleurs, on en voit un moment dans un film. Je sais plus si c'est un James Bond, si, avec Daniel Craig. Mais même en réalité, c'est dégueulasse, ces animaux. Non, mais pas exister. Ça bouffe des biches, des chiens, des bébés. Ah oui, oui. Les varans de Komodo, c'est horrible. C'est horrible. Si un jour on regarde les émissions sur ça, j'arrive même pas à regarder tellement que c'est horrible. C'est horrible ce truc. Bon, bref. Notre unité se soit. J'ai tellement trop sensible que là, non. Se voit déposer en pleine montagne. L'instructeur nous entraîne dans un escarpement montagneux. Les caractéristiques d'une montagne enneigée et couverte de végétation, si bien ce que semble montrer le cliché MOC M040-3228 avec en dessous une montagne qu'on retrouve sur Terre. Pour rappel, le MOC est une caméra bimode appelée Mars Orbiter Camera de la sonde de la NASA Mars Global Surveyor qui fut lancée le 7 novembre 1996. Placée en orbite basse autour de Mars, la sonde a commencé sa mission de cartographie en mars 1999. Alors que nous avançons sur un flanc de massif, nous passons devant des vestiges de ce qui a tous les attributs de ce que fut jadis un temple. Parmi les nombreux vestiges, en voici deux que l'on retrouve dans mon ouvrage « Couleur, l'histoire commence sur Mars », les deux clichés étant issus de la série Sol 2635. Ouais, ça, c'est pas mal non plus. Et ici, alors évidemment, en comparaison, là, sur Mars, et là, évidemment, ce qui n'a rien à voir sur Terre. Et encore, j'ai vu pire que ça avec des escaliers et tout, dans cette vie qu'il avait avant. J'ai vu des trucs pires que ça. Ouais, alors là, déjà là, la statue, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. Le premier, difficile de trouver une correspondance terrienne, mais j'ai tout de même mis un temple bouddhiste en comparaison. Ouais. Ce que je cherchais, c'est bouddhiste. Le deuxième ci-dessus, étant de connotation religieuse, je l'ai rapproché de ces statues de Saint Gérard en façade de l'église de Praille. Alors là, par contre, c'est... Ouais. C'est plus la même gueule. Bien que très érodé, mais parmi les blocs taillons, on peut encore y reconnaître un trône et d'autres assises. Un trône muni d'une coiffe qu'on retrouve en sol 703. Puis nous longeons la paroi qui monte jusqu'à un plateau. Là, je fais remarquer à l'instructeur le gros nuage noir qui vient vers nous. Le temps se couvre avec une rapidité déconcertante. Un ciel couvert de nuages, sombre. Curiosity nous en montre comme avec Sol 3063. Regardez déjà ça. Là, c'est bien sur Mars, hein, cette truc-là. Oui, mais là, ce que vous voyez là, oui. C'est parce que là, il penche, lui, il l'a remis droit. Là, c'est sur Mars, d'accord. À côté, c'est une statue de Saint Gérard. Alors, façade de l'église de Praille. S'imagine un petit peu. Hein. Et là, c'est pareil, hein, le truc-là. Vous pouvez me dire que c'est normal aussi, ça. La forme et tout, comment c'est en plus. Ah, ouais. Là, c'est quand même assez... ouais. Bah, c'est des anciennes constructions qui étaient complètement détruites. Hein. C'est ce qu'il disait un... comment il s'appelle
un spécialiste des plasmas, je sais plus quoi, il dit que Mars a été complètement détruit, c'est comme par une sorte de bombe nucléaire, voilà, c'est tout. Et c'est comme ça qu'on retrouve des vestiges un peu partout, à droite, à gauche, des morceaux par-ci, par-là, bon bref. Des anciennes civilisations, quoi. Qui ressemblent à chez nous, hein, pratiquement, hein, de toute façon, même des pyramides et tout. Hein. Ce qui est pas un hasard. Hein. Comme toujours, hein, de toute façon. En fait, ce n'est pas une tempête, mais une soudaine et brutale averse qui nous tombe dessus. Bien que l'on soit à l'abri dans nos armures mécaniques, les trombes d'eau qui se composent de gouttes aussi grosses que des noix s'abattent sur nous avec fracas. D'épais nuages qui assombrissent le ciel martien devraient, comme sur Terre, résulter de l'évaporation d'eau. Cette eau ne peut rester éternellement à l'état de vapeur, sinon le ciel de Mars serait caché sous une épaisse couche nuageuse. Ce n'est pas le cas, bien au contraire. Donc, en toute logique, cette eau va bien quelque part, et ce quelque part ne peut être que de la pluie. D'ailleurs, si le sol était aussi aride que ce qu'affirme la NASA, alors il n'y aurait aucune trace de roues, des rovers, ou alors tout juste perceptible. Bah oui, voilà. Mais comme on le voit sur les précédents clichés Sol 538 de Curiosity, ce n'est pas le cas. Le sol est bien marqué par les traces des roues du rover. Et la similitude avec des traces de pneus dans le sable humide est flagrante. Ainsi, les empreintes des différents rovers indiquent une teneur boueuse du terrain et donc d'eau. Hein, forcément. Image suivante, un plateau avec une bande herbacée qui semble surgir du panoramique MSL 3578 3589 de Curiosity. Et c'est souvent Curiosity le plus possible, c'est le plus possible. C'est robot Curiosity, celui le rond. Hein. Pour les clichés, il y a toujours un truc encore plus que les autres. Hein. Mis en exergue avec un plateau de montagne terrestre. Je vois surgir de cet amas végétal une sorte de petit serpent. Petit serpent, tout de suite, on pense là, ouais. Hein? Bah oui, si le sol était aussi aride que ce qu'affirme la NASA, alors il n'y aurait aucune trace des roues, des rovers. Oui, déjà, il y a un truc qui va pas là. Ou alors tout juste perceptible. Hein. Bon, ça, c'est encore une fois. Alors, des formes de vie comme ce serpent que l'on retrouve, ah oui, dans le panoramique constitué de clichés Sol 3364 de Curiosity. Mais aussi cet autre serpent en sol 1133. Nous sortons du corridor d'herbe pour nous retrouver sur le plateau. L'averse s'arrête aussi vite qu'elle a commencé et le sol sèche presque aussitôt, comme si la terre avait tout absorbé avant que l'eau ne s'évapore par sublimation à cause de la faible pression atmosphérique. Voilà. Pour ça que les insectes, tout ça, ils sont plus. Voilà. Chose encore plus incroyable d'avoir vu tout un écosystème surgir sous la pluie, la végétation se flétrit, avant de tomber en poussière. Des plantes desséchées qui se trouveraient en sol 3474. Alors déjà les serpents avant. Ici la forme, et puis ici hein, quand même, hein, pas me dire que ça. Bon, hein. Puis, on voit bien que la forme elle continue en dessous. Voilà. Là c'est costaud aussi, bah, vu la tronche aussi. Là c'est pareil, des plantes desséchées qui se trouvent en sol 3474. Alors, des telles plantes pourraient être adaptées aux conditions de vie martienne. Oui, là ça aussi c'est intéressant. À la manière de plantes terrestres comme la plante de la résurrection, elle n'a pas besoin de lumière. Une fois arrosée, elle passe d'une boule brune à séchée et morte à une rosette vivante en seulement quelques heures. En un instant, toute trace de vie semble avoir disparu, ne laissant place qu'à un désert de sable et de roches. Une végétation qui pousse et se flétrit et tombe en poussière en suivant un cycle bref et intense d'alternance de sécheresse et d'inondation. Voilà qui pourrait expliquer la présence d'arbres morts, et on parle bien d'arbres morts, au milieu d'un désert de sable et de roches. Ainsi, avec Sol 1647, cette souche d'arbres. Quant au cliché suivant, il appartient à la série Sol 2047 et il affiche des troncs d'arbres comme pétrifiés.
L'instructeur nous ordonne d'escalader la montagne. En haut, nous découvrons une grande passerelle d'acier, si longue qu'elle surplombe des collines. J'entends l'instructeur dire: nous devons traverser. Nous trouverons bien une passerelle dans la série de clichés composant Sol 1085. Ça, c'est quand même incroyable, ce truc. Ici, là, oui, là, c'est bien sur Mars. Hein. Là, c'est une comparaison aussi, évidemment, de chez nous. Hein, celui-là. Et là, c'est bien sur Mars, d'accord? Ce qui est presque kiff-kiff. Hein. Là, c'est pareil. Des troncs. Hein, au-dessus, là-bas. Là, là, voilà. Et là, une passerelle. Pareil quoi. Bon, en plus du tablier, il y a la présence de piliers de soutien de part et d'autre, ainsi que la voie centrale passant sous le pont. La tempête souffle, la passerelle n'est pas très large, et dessous il y a le vide. À travers ma visière, je vois s'approcher la section extérieure d'une base dans laquelle nous nous rendons. Elle comprend trois niveaux en forme de tube recouverts de terre comme un moule qui s'enfonce dans les profondeurs du sol martien. Ici, c'est ce cliché en sol 1879 qui montre une structure qui colle au mieux à ce souvenir. Et ben là aussi, c'est très costaud. Hein. Là aussi, c'est très costaud. Bon, vous avez une vue d'ensemble des différents territoires où vous pourriez être amené à intervenir. Cette partie de la formation est terminée. On rentre à la base. La suite sera plus intéressante. C'est vrai qu'après, ça va être encore pire. Vous ferez connaissance avec différentes ethnies martiennes. Martienne, bien entendu. Bon. Là, on rentre dans un autre truc. Allez. Évidemment, une comparaison ici, hein, ça n'a rien à voir, mais là. Alors, la prochaine fois, j'essaierai de lire Premier contact martien. Qui va être très lourd aussi. Alors, c'est un peu. Oui, alors là, c'est du très lourd aussi. Alors là, c'est même encore pire. Parce que là, c'est carrément une cabane. C'est une cabane. C'est sur Mars. Une cabane. Vous savez, quand tu vois un petit chalet, tu peux voir dans ton jardin, j'en ai un derrière. Avec mon père qui avait tout construit en plus, d'abord que j'y pense. Un chalet, une cabane. Il faut imaginer, mais là, c'est sur Mars. Oui, oui. Mais ça, vous le verrez la prochaine fois. C'est un truc de fou. Ça, et alors là, c'est encore pire. Là, c'est encore pire. On a ma toilette. Complètement. Ça, c'est rigolo aussi. Il y a de tout. Ah oui, alors là, après. Oh là là. Des gros insectes. Enfin, des trucs énormes. Une sorte de statue. Enfin, de statue. Je suis pas vraiment sûr. Des créatures immenses. Ouais, ça va être costaud aussi. Oui, aussi des. Oui. Des chaussures, une chaussure. Un couteau aussi, canif. Un autre, deux d'ailleurs. Etc. Hein. Un livre. Grimoire. Oui, là aussi, la forme, elle est comme un moteur électrique. Bon, bref. Ça sera déjà énorme. Etc. Etc. Là aussi, c'est du très lourd. Ah oui, quelque chose qui fait penser à Star Wars. Magnifique aussi. Ça. Eh oui, ça aussi. Ouais, c'est bon. Oh, bah, la prochaine fois, ça sera du costaud aussi. Mais ça sera la prochaine fois, ça sera Premier contact martien. Voilà. Et là, le titre, ça sera Reconnaissance de terrain. Voilà, je coupe là. Merci, à bientôt. Pas très long, mais toujours très intéressant. Après que vous allez voir les araignées, tout ça, là, c'est autre chose. Là, c'est plus la même gueule. Hein. Franchement, là, c'est encore au-dessus. Allez, je coupe. Merci, à bientôt. À plus. Un très bon compliment avec. Lone Wolf. De toute façon, il faut avoir le 1 et le 2, hein, sinon, c'est pas la peine. D'accord? Voilà. Il faut avoir les deux. Il n'y a rien de mieux. Hein. Ça fait un sacré complément. Mais celui-là, par contre, c'est bien pire. Hein. Il n'y a pas de comparaison, là, c'est encore au-dessus. Allez, je coupe, merci, à bientôt, d'ici 2 à 3 jours. Je ne sais pas si je posterai une vidéo en même temps que celle-là, j'en sais rien, on verra bien. A plus, merci.